Pour une nouvelle vidéo. Alors, euh, je suis allée à ma, à ma presse, le magasin de journaux, aujourd'hui. Aujourd'hui ou hier Enfin bon, depuis un jour près. Euh, et j'ai vu qu'il y avait le nouveau idéal tricot qui était sorti. Donc, c'est le numéro 94. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, on va avoir des modèles de printemps. Euh, oui, printemps, été. Voilà, il y a les deux dedans, je trouve. Euh, donc, ça va être du tricot. Euh, taille S jusqu'au XXL. Voilà. <laughs> ça ne changera pas. On ne la changera plus. Hein? Bonjour maman. Oh, oui. Tu veux dire bonjour copain, Your copine Oui. Oh. <laughs> bon, on va attendre qu'elle passe, hein, qu'elle repasse. Ça y est. Oui. Bon, ça va. Euh, donc je disais, oui, c'est alors ils disent donc il y a des modèles pour femmes et pour hommes dedans. Voilà, des pulls, des cardigans, des tops. Euh, voilà. Il y a un peu de tout, <coughs> pardon. Alors, c'est le numéro du mois d'avril 2024, bien sûr. Euh, c'est le numéro 94. Il est au prix de 5,95 euros. Voilà. On va se mettre face bureau. Je vais ranger Fifi. <laughs> et je vous montre les modèles qu'il y a dans cette nouvelle revue. À tout de suite. Alors, voilà, j'espère que vous verrez bien. Normalement, je pense que c'est bon. Alors, nous allons avoir bien sûr la table des matières avec déjà quelques petits modèles qui, que l'on va retrouver dans le livre, enfin dans la revue. alors ici on va déjà avoir un pull un peu top, voilà, un pull sans manche, un pull pour homme, avec des rayures sur le devant. Euh, et ici, un, un pull à jour, voilà. Euh, un peu ample. J'ai ce qu'il a non, non. Oui, je dis je. Ils disent juste style bohème, voilà donc celui-là jusqu'à la taille XL, XL, XL. Ici, un petit boléro, voilà jusqu'à la taille XL. Un pull pour homme, j'aime beaucoup le motif, donc jusqu'au XL également. Et ici, un petit pull sans manches euh, court. Il est au-dessus au de la boudaine, comme on dit. <laughs> en taille XXL. On va avoir un petit sac euh, au crochet. Un petit gilet sans manches jusqu'à la taille XXL donc, un gilet qu'on peut rallonger un peu, hein, si on le souhaite. moi, c'est ce que je... si je serais pour le faire, c'est ce que je ferais. Euh, encore un modèle pour homme. Euh, tout simple avec des raglans. voilà. tout en jersey. un petit pull tunique hein, avec des fentes sur les côtés. pareil. Euh, tout en jersey. Donc sans manche là ça va jusqu'au xl le gilet xxl et le pull pour homme en xl également ici encore un pull pour homme avec un motif de on dirait des losanges euh, c'est plus euh, comment on va dire un des oh, comment on appelle ça y est j'ai perdu des torsades voilà c'est un peu le style de tors ça ressemble à des torsades mais ça n'y est pas un petit top rayure court donc pareil que l'on peut rallonger il est en XL le pull pour homme est en XL alors ici c'est un je pense que c'est un pull oui Ici, un pull, donc celui-ci est en XXL. Un petit gilet avec un, juste un bouton euh, dans le haut en XXL. Un petit pull à jouer, euh, toujours court, hein, donc on peut rallonger. Euh, là, ils mettent pas la taille ici un petit pull euh, courte manche avec un raglan euh, ajouré donc jusqu'à la taille xl un petit pull avec des manches trois quarts euh, tout simple voilà qu'on peut rallonger aussi un peu il euh, n'y a pas sa taille Ici un gilet, un petit gilet beige avec des manches courtes, avec un boutonnage sur le haut. Euh, je n'ai pas sa taille non plus. <laughs> Alors celui-là il fait au point de riz. Ici un pull rayure, un peu multicolore. Il y a des il y a plusieurs sortes de points dessus, dont des points ajourés jusqu'au XL. Un petit top, tout simple, j'aime beaucoup. Euh, vous l'avez jusqu'au XL. Des petits bracelets. Un gilet. Alors le gilet pour homme là, je le trouve, j'aime pas moi. Euh, moi j'aime pas, mais bon. Euh, on peut peut-être garder la forme et le faire peut-être en uni mais comme il est là euh, non là il me plaît pas mais bon il en faut pour tout le monde hein. donc il va jusqu'au XL un petit polo euh, sans manches avec un point ajouré voilà un petit col un petit col polo avec trois boutons euh, vous l'avez jusqu'à la taille XL. Ici, un, un pull assez simple. Je ne vois pas. Ah, il se fait. Alors, attendez. Il se fait en top-down. Donc, top-down, c'est on commence par le haut, on termine par le bas, si je ne me trompe pas. Donc, en XXL ici un pull oversize en XL avec un une laine un peu mohair très beau, très joli un top débardeur hum. Je cherche la taille non ils l'ont pas mis donc euh, rayure plus un, un, un point ajouré et pour terminer, on va avoir un pull pour homme ici dans, dans différents, avec plusieurs couleurs et plusieurs euh, textures de points. Un petit top à jouer ici, petit top blébardeur en XL. Euh, le pull homme est en XL également. Et ici, on a un petit pull avec un petit nœud pour remonter le, le pull. voyez Donc on va passer une candelette dedans pour pouvoir nouer le pull et le remonter un peu au niveau de la taille donc vous l'avez jusqu'à la taille XL bon, ensuite ce sont des petits articles hein, sur les sur les sorties les salons etc ici une idée sortie donc il y a un petit article sur plusieurs villes article sur le poivre, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Des, des articles sur des livres, voilà, euh, sur le yoga, le zéro gaspillage en cuisine, c'est intéressant ça. Euh, voilà, les plantes médicinales, euh, 10 minutes par jour pour te transformer, <laughs> c'est pour moi ça. <laughs> Ici, un article sur les musées. Là, c'est sur les films, sur les sorties cinéma. Ah ben, un régime avant l'été. Voilà, ça, c'est pour moi. Alors, je vais vous faire rire. C'est que, bon, euh, ça fait deux jours que j'essaye de faire attention. Déjà, de faire attention. Pas régime, hein. juste faire attention. Et euh, chez moi, les nouveaux voisins, Alors, je ne sais pas si c'est des marocains, algériens, euh, je ne sais pas exactement. J'aurais pas demandé. Euh, et j'ai des voisins en face qui, qui eux sont là depuis, euh, depuis toujours, on va dire. Euh, eux, c'est des marocains, mais il y a eu l'Aïd. Et avant-hier, donc mes nouveaux voisins, la, euh, sa femme m'a apporté une assiette. De pâtisserie orientale hum, d'accord et tout à l'heure euh, la fille de mes voisins d'en face euh, elle me dit ma maman elle vous donne ça et une grosse assiette aussi de pâtisserie orientale ah mon dieu mon régime bon ça y est hein? en plus chouchou il aime pas donc il a que moi qui les mange mon dieu Bon, alors on va dire que ça, c'est un article qui va m'intéresser. Ici, un peu de déco. Voilà. Des bijoux. L'Andalousie. Un article sur l'Andalousie. Voilà. Et on va trouver les patrons des modèles que je viens de vous donner. Euh, donc comme d'habitude hein, c'est très très clair très bien expliqué les patrons sont bien faits euh, on, on voit tout de suite euh, ce qu'on a à faire Voilà alors sur chaque euh, modèle vous avez des étoiles pour vous dire le nombre pour la difficulté alors vous allez les retrouver euh, si je me trompe pas. Euh, si je me trompe Alors, Ah non, là, voilà. Une étoile, modèle pour débutants. Deux étoiles, modèle avec certaines difficultés pour initiés. Et trois étoiles, c'est les modèles conseillés aux expertes. Donc, ça vous permet en même temps de voir le, euh, les modèles que vous pouvez faire. Donc là, pour l'instant, il n'y a que les deux étoiles. Mais <laughs> Au moins, ce moyen, ce n'est pas des, des modèles très, très compliqués. Voilà. Ah, ici, bah, le bracelet. Oui, c'est les bracelets. Donc, c'est normal que ce soit spécial débutant. Voilà. Et, ah, ici, on a le gilet de la couverture. C'est vrai. Je l'oublie toujours, la couverture. Voilà, ici. Euh, donc, on a le modèle ici. Il, est, il me paraît très joli. Ça fait, il est fait avec un peu un, une laine Katia. Summer pompon très jolie cette laine je trouve voilà bon ici vous retrouvez les anciens numéros et voilà alors la prochaine parution aura lieu le en juillet 2024 pour celui-ci pour le idéal tricot euh, trimestriel voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je sais que ça plaît à certaines d'entre vous et ça vous donne des idées au moins vous voyez si vous euh, si la revue va vous intéresser et si dans ce cas là vous l'achetez ou pas euh, je le prochain donc ce sera en juillet je ne sais pas ce qu'il y aura de, les autres sorties qui aura entre deux mais je vous tiens au courant par mes vidéos voilà allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous